Coucou, bah aujourd'hui j'ai reçu la bonne box que j'ai pas ouverte. Et oui, je me suis mis à la bouffe. En plus, il fait super beau. Je vais vous montrer. On a. Voilà. On a un beau soleil aujourd'hui. Je suis contente. J'espère que ça va durer. Bon, j'arrête mes bêtises. Je sélectionne en ce moment. J'ai dit les cosmétiques, j'en ai, mais. Voilà quoi. Ça se passe de commentaires. Bon, allez, la bonne box, c'est une box où il y a à manger des bonnes choses à grignoter. Et la montrer, elle est grosse. Et donc ça a failli, ça m'avait bloqué le loquet de la boîte aux lettres. J'ai failli aller chez la gardienne demander de l'aide. J'arrivais pas à ouvrir ma boîte aux lettres. Alors, la bonne box. Là. Voilà. C'est une grosse boîte que je vais ouvrir. J'ai pas déjeuné. Alors, tout dépend de ce qu'il y a dedans. Oui, je sais, c'est pas bien, mais bon. Le matin, je suis café, moi. J'espère que ça n'avait pas trop de bruit là quand j'ouvre. J'avais dit que j'arrêterai la veille de mon ordinateur et puis je ne l'ai pas arrêté. Alors, ça se présente, je vais essayer de vous le montrer sans. Oh, bah tiens, je vais pas m'embêter aujourd'hui. Ça se présente comme ça. Ouais, faites pas attention au bazar que vous avez vu. Voilà. Je suis en plein ménage. Alors, vais pas remontrer comme je fais d'habitude. Voilà, la bonne box qui est bien chargée. La première fois que je la prends, il y en a d'autres. Alors, la bonne box, surprise de bon goût. Plus d'informations sur notre site, labonnebox.com. Là, il y a un petit. Ça, je vais présenter ce qu'il y a. Je verrai, je mets ça de côté. Alors, il y a quoi? Des fiches de recettes. Ah. Je vais vous lire, c'est pas dur. Oh, ça colle en direct. Hop. Alors, c'est quoi? C'est bruschetta, tomate, fraise, mousse d'ail, confit. Roulé de jambon de pays, fromage de brebis et cara de melon. Nan, saumon fumé, fromage frais et tartinerie au fenouil. Pomme d'amour au pop-corn. Oh, tiens, c'est sympa ça. Je vais vous montrer le petit dessin. De toute façon, je vais tous vous les montrer. Et cheesecake vanille chocolat. Ça a l'air appétissant. Je vous ai déjà montré, mais je prends mon temps, tout ça. Ça, c'est naan, saumon fumé, fromage frais, tartinerie au fenouil. Roulé de jambon de pays, fromage de brebis, cara de melon. Ça a l'air super, super bien. Bon, faites pas attention à mon vernis. Hein. Il est pourri, il faut que je le refasse. Mais j'aime bien faire du vernis une fois que je suis maquillée pour pas mélanger les produits. Bon, c'était la petite parenthèse. Mon chat gratte, ça y est. À chaque fois que je suis en caméra, il me fait une scène, mon chat. Voilà. Ah, on voit maison. Oh, sympa. Alors, il y a quoi? Voilà. Il y a Pepper Crisps Co. Made by Farmers, Sea Salt, sel marin. Présente, attendez, je sais pas, je vous dis ça, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Du sel de mer, pomme de terre, huile de tournesol, Pepper Crisps. Ah, c'est tout en anglais, nous faisons la mer. Ouais, je lirai dans la petite présentation. Ou c'est des chips, je sais pas.
je mets la présentation de côté. Pas vous gâcher. Ça, c'est quoi? Charlotte chocolat. Mais ça a l'air de... Charlotte chocolat. Voilà. Ça a l'air d'être des cookies. On voit des cacao, là. Des fèves de cacao. Par côté... Je sais pas ce que c'est, j'ai pas lu. C'est marqué que c'est bio. C'est... Marqué, c'est des portraits. Voilà. Il y en a. Back it in Belgium. C'est. Rencontre. Meet the other generous people. Rencontre les personnes généreuses. Sylvain Spéculos. Spéculos. Il y a des spéculos dedans. Céline Citron. Du citron beurre. Et Victor Vanille, des Vanille Butter. Ça a l'air d'être des gâteaux. Au spéculoos, au citron à la vanille. Voilà, je vais me faire. Il y a la date de péremption dessus, 2013. Mais ça sera mangé avant. Charlotte chocolat. C'est marqué que c'est bio dessus. Gluten free, il n'y a pas de gluten. Tout en anglais. Cookies au chocolat. Noisettes et fleurs de sel. Ouh là là. Attention pour celles qui sont en régime. Alors, voilà. Je continue. Taboulé. Tiens, bon pour ce midi. Ouais, ça, c'est les petits machins qu'il y a. Voilà. Taboulé. Ah, soleil s'est planqué. On le voit tout de suite. Le taboulé. Avec la semoule, les petits aromates. C'est taboulé, ajouter un peu d'eau et la recette est prête. Juste de l'eau et un peu de fraîcheur d'orion. Dénicheur & Co. Ah ben j'ai mon repas pour ce midi, moi. Voilà. Bon, vous voyez le taboulé, vous rajoutez de l'eau. Made in France. Il n'y a plus de soleil, c'est planqué. Ça n'a pas duré longtemps, les filles. Voilà, c'est à faire mariner, distribué par Dénicheur. Il y a 200 grammes. Je le mets à côté. Parce que là, ça commence à me faire des pas. Il y a mon chat qui se ramène. Non, c'est pas pour toi, ma chérie. Alors, oh là là. Il y a des pop-corns. Joe and Chips. Moi, ça fait effet miroir. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire. Des pop-corns. Joanne Chefs, gourmet popcorn chef et connoisseur, the finest air popped corn coated with notre classic caramel and sel. Alors si vous aussi du sel de la mer, je crois que c'est le thème hein, parce que ça fait 2-3 produits joués avec du sel de la mer. Une merveilleuse combinaison, je vous fais la traduction hein, et de douceur et de sel. Maïs, sucre, beurre, sirop de maïs, sel de mer, levure à consommer avant le 7 novembre 2013. J'ai décidé d'ouvrir là. C'est des pop-corn. Est 2010. Oh, et mon chakra, tu vous dis, hein. Dès que je suis en caméra, safe. Oh, il y a encore plein de trucs. Attends, ça va faire marrer, je vais vous montrer. C'est là-dedans. Et c'est cara de melon de Lectour. Pépite de melon confit. J'espère que vous voyez. On ne peut pas faire mieux. Sinon, vous le faites avec l'autre caméra. Non, je vais rester comme ça parce que j'en ai marre de faire du yo-yo. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. C'est dans un pot en verre. C'est cara de melon de Lectour, closet gourmette. Et derrière, c'est quoi? Cara de melon, Lectour, dégusté frais avec... Mon chat qui gratte. Va te faire voir. Avec une chiffonnade de jambon, un carpaccio de magret, fumé de la copa, sur toast avec saumon fumé, accompagne délicieusement les fromages persillés, accord parfait avec toute spécialité au chocolat. Il y a 110 grammes. Oui, ça doit, les recettes, ça doit être pour cuisiner ce qu'il y a dans la box.
Voilà, voilà, et autre chose. Oh, j'en ai un qui était pas très bien fermé. Mais ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Attention les mecs quand vous envoyez des trucs. Non, ça va, ça a failli valser. C'était un peu humide, comme vous voyez, ça a un petit peu mué. Bon, ça je vais le manger rapidement à mon avis. Tartinerie, fenouil, amandes et cajou. Voilà. C'est quoi ça? Ingrédients fenouil, 80% huile d'olive, vin, ail, noix de cajou, miel, sel, curcuma, poivre, vinaigre. Conseil d'utilisation à déguster à l'apéritif. Sur pain accompagné de viande grillée, le poisson, le fromage pour garnir un plat de pâtes, riz, pommes de terre et à glisser dans un sandwich. Rue Traversette 09 France, rue Traversette.com. C'est il y a 180 grammes. Et il était, vous voyez, le capot était pas très bien fermé. Il a pris un pet. Et, bon, moi je fais attention. Et c'est rue Traversette. Voilà, voilà, je le mets de côté. Ah, ça sent le plus meilleur. Alors, il y a autre chose. Il y a mousse d'ail, confit, menthe fraîche et piment. Aïe doux, ça va marcher. De tournesol, huile d'olive, jus de citron, piment à conserver jusqu'en novembre 2014. C'est mint ail, M-I-N-T-H-I-L. Sans colorant, sans conservateur. Mint ail. Voilà. Il va y avoir deux. Ça doit être joli avec une petite recette. Et voilà. Le reste, c'est que des petits papiers. Alors après, mousse d'ail, ouais, c'est ça. Hein, c'est les recettes qui accompagnent avec ce qu'il y avait dans la box. Ou les jambons de pays, fromage de cara de melon, saumon fumé, frais et tartinerie de fenouil. Vous voyez, la fenouil. Voilà, voilà, c'était la première que j'ai reçue. Cheesecake vanille chocolat. Peut-être ça m'a ouvert l'appétit, n'empêche. Et je vais faire à manger parce que j'ai faim maintenant. Pommes d'amour et au pop-corn. Voilà, ça donne des idées. Et voilà, derrière, c'est comme ça. C'est des idées recettes. Ceux qui veulent se faire plaisir aux babines. Là, je me fais. Voilà. Et la petite fiche de présentation, j'ai un peu de temps, la bonne box, surprise de bon goût. Plus d'informations sur notre site. Alors le dénucher à Nico, il y a le taboulé, ça je vais me le faire le taboulé. Ah, c'est un peu grave, je dis, il y a un truc qui a coulé. Ça se voit. Taboulé. Entreprise familiale SNCV a toujours été passionnée par la découverte culinaire et les voyages. Mue par une envie de proposer des produits d'exception et des recettes réalisées par tous, SNCV a créé sa marque Denisher & Co. Cette équipe d'explorateurs de saveurs élabore des recettes uniques pour faire de votre quotidien une invitation au dépaysement gastronomique. Arrête de gratter! Taboulé fraîcheur d'Orient, un délicieux taboulé d'inspiration orientale, aux tomates séchées, raisins secs et menthe douce, prêt avec juste de l'eau, un peu d'huile d'olive et du jus de citron, de la fraîcheur à consommer sans modération. Alors c'est dénicheur au pluriel anco.com, vous le trouverez sur Facebook. Je vous présente dénicheur anco. Voilà. Paper scrapes, c'est quoi ça? Les chips, c'est ce que me semblait, c'est des chips, le paquet bleu là. Sont exclusivement cuisinés dans une usine dédiée en Angleterre depuis 2004. Les meilleures pommes de terre cultivées localement sont sélectionnées, elles sont épluchées avec finesse, tranchées à une épaisseur précise et cuites dans une huile de tournesol pure jusqu'à 100% jusqu'à obtention de texture de couleur parfaite. Les chips encore chaudes sont ensuite assaisonnées par des arômes savoureux sélectionnés avec exigence.
élu la meilleure entreprise de chips, snacking en Angleterre, les chips Peppers Crisps au sel de mer, le sel de mer d'Anglesey, made in England, et cueillis chaque jour sur le Menai Strait. La cristallisation des grains de sel naturel s'obtient par évaporation de l'eau dans de grands bassins. C'est un produit sans association à profit de production. Alors c'est Peppers. Plus d'infos, EMAS, E2MAS-Corner, CORNER.fr, présente. Comme ça. Oui, elle n'est pas top, ma caméra, quand il y a de la lumière. Attendez, cette fois-ci, je vais utiliser notre appareil. Voilà. Vous verrez. Et après, c'est Generous. Generous est une marque belge, née à la rencontre d'un couple d'intolérants au gluten avec le maître pâtissier Jean-Benoît Guen, célèbre instigateur du salon de restauration bruxellois Arrière Cuisine, partageant les mêmes valeurs de la qualité d'éthique et de production locale. Il crée Generous pour montrer que le bio, c'est beau et bon, sans gluten à base de farine de sarrasin et de tapioca avec du soja, du sésame. La gamme de biscuits personnalisés présente son univers redoutable. Et chacun peut se retrouver. Cookies, charlotte, chocolat, biscuits aux saveurs intenses de chocolat avec pépites du chocolat noir, noisette, du piment à fleur de sel, de Camargue. Plus d'infos, generous.europe.eu/.fr. Vous l'avez. Ouais, vous voyez, ça a coulé un peu. Voilà. La passion, alors c'est Joseph, la passion de ses pop-corn a débuté lors de nombreux voyages aux USA. Il en remportait de plus en plus, mais un jour il a décidé de produire son propre pop-corn, le meilleur, avec des ingrédients délicieux et naturels. Nous espérons que vous apprécierez ce pop-corn au craquant agréable, aux saveurs subtiles, digne des plus fins gourmets, d'autant que nous l'aimons. Comme Joe le clame d'une expression so british, si vous n'aimez pas ce pop-corn, je mangerai mes chapeaux. Popcorn caramel au beurre salé, le popcorn des connaisseurs sans gluten, une merveilleuse combinaison, sucré salé, un caramel moelleux intense, goût de beurre agrémenté par un saupoudrage de sel. Oui, je regarde le temps en même temps. Et c'est sur EMAS, E2MAS-Corner.fr, je l'ai déjà dit, je crois. Je vous présente. Voilà. Encore un peu de temps. Et Glossès Gourmet, ingénieur Michel Glossès se réoriente dans la gastronomie par un cursus de plus de 10 ans, intégrant les célèbres écoles des arts culinaires de Paul Bocuse, de Le Nôtre. Glossès Gourmet est né en 2008 comme l'aboutissement de ce parcours et comme leitmotiv. Créer des produits gastronomiques haut de gamme, alliant tradition et innovation, plus particulièrement des desserts pâtissiers à base de fruits en conserve. Le carat de melon. Le carat de melon de Lectourne témoigne de l'ambition de faire émerger un nouveau produit du terroir, ce qui est la bêtise à Cambrai, le nougat à Montélimar. La bêtise, oui, c'est ça. Le calisson de Aix, ce produit de transformation du melon est unique, tant il respecte le goût de texture, la couleur, c'est réellement surprenant. Glossès Gourmet. Voilà. Et le petit dernier. Ah, on a deux autres. Les apéros d'Anzo, situés dans le Var. Les apéros d'Anzo est le fruit de la rencontre entre Amaury Rossin, le conflit d'Amaury, le saint créateur sur ce condiment. Le vent de l'apéro, chez eux, c'est sacré pour partager ce moment convivialité, créer un concert, des recettes inventives, tout ou plus beaucoup d'amour, sans colorant ni conservateur. Cette tartinade imaginée en plein mois d'août. 42 degrés, les motifs, la fraîcheur, se déguste glacé avec des bâtons de légumes crus type carottes, choux-fleurs, champignons et radis. Vous regarderez ça sur la bonne box, hein, c'est tout expliqué parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et rue Traversette, c'est la tartinerie fenouil amande de cajou, Traversette. Voilà, là, je vous montre une dernière fois. Vous voyez, c'est un peu coulé, mais c'est pas bien grave. Je vais couper parce que j'arrive à 20 minutes. Et après, j'arrive. Facebook, il n'accepte plus mes vidéos. Je vous fais un bisou et puis à bientôt.